Eh bien, yo les gens, c'est Punisher. Donc, on se retrouve pour le 5e épisode de Killzone Shadowfall, donc le let's play numéro 5. Et c'est parti, on y va. Nous avons toujours espéré votre retour. Nos vœux sont enfin concrétisés. À partir de maintenant, vous allez travailler dur pour vous réintégrer et consentirez les sacrifices requis pour nous hisser vers la gloire. Grâce à cela, votre vie deviendra un succès. Chez vous et au travail, vous chercherez l'excellence. Vous nous rendrez fiers. L'état de New Engal vous dit bienvenue. Mon cul qu'ils espéraient qu'on reviendrait. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous virent comme ça. On a des droits. Ok. Il paraît que c'est pire. Il n'y a rien à manger. Pourquoi on descend alors? C'est dégueulasse, on devrait résister. Et toi, tu peux pas remarquer, ils nous tueraient. La force s'obtient en produisant la force. Et cette force s'obtient en faisant des sacrifices. Ok, donc là en fait, on est à Elkan, ou Elgan, je sais pas comment qu'on dit, je sais plus, j'ai oublié. Je vais juste débrancher le ventilo, parce qu'apparemment ça fait plus de ventilation, donc ça fait du bruit dans le micro. Enfin bref. Putain, c'est long. Alors. Ah bah ça va être long, hein. Je vous attends dehors. C'est bon, allez-y. Avancez, madame. Arrêtez. Et c'est quand même long, hein. Et 3 minutes juste pour marcher et pour faire ça, quoi. C'est vraiment très très long. Et j'espère qu'après, ce sera à moi. Insuffisance de données. Veuillez réessayer. C'est à qui? C'est à elle ou c'est à moi? Ah, c'est à moi. Oh la vache, il fait peur lui. Bon, alors nous voilà dans la ville. Lui toi. Tu veux, bâtard. Regarde pas comme ça. Avec tes yeux rouges dégueulasses. Salut. Ils sont bizarres leur truc. Oh. Ok. Réussirez dans tous les aspects de votre vie. Chez vous et au travail.
Tug Life. Oh, il s'est planté tout seul le camp. Oh. C'est même pas moi qui a dit ça. Je n'ai absolument rien. Shadow 1-8, le train n'est plus visible. Il a disparu du réseau Elgast. Reçu. Des nouveaux sur la localisation de Zeus? Aucun changement. Dernier contact dans le district 47. Il est au cœur de la zone résidentielle. Bien sûr. Transmission en rafale envoyée. Les infos sur le paquet de mission demain. Je passe en silence radio. J'ai ce qu'il me faut. Je rends compte si nécessaire. 1-8, terminé. Ça c'est bien. Donc alors, où est-ce qu'on doit aller? On doit aller par là? Ouais, sûrement. Parce que ouais, le truc il est là-bas. Ok, c'est parti, on y va, on court! Bonsoir messieurs. Donc là ça va être zone de guerre. Voilà. Viens tranquille, lui, pépère. Merde. Il est pas là. Si tu es aussi bon qu'il le dit, tu m'écouteras sûrement. J'ai dû bouger. Le petit incident que t'as créé dans le train a rendu tout le monde nerveux. Je t'ai laissé mes coordonnées. Fais vite. Je t'attendrai pas éternellement. Si c'est même par là en fait. Enfin en fait je vais par là mais je sais même pas si c'était par là. Et ouais, je viens de me rendre compte que j'ai pas parlé en fait déjà depuis pas mal de temps. Alors Kellan, oui. Qu'est-ce qu'il a sur toi, Sinclair? Il a quelque chose hein? T'es là? Quoi? Tu es très spécial. Tu savais pas? Moi aussi je suis spécial, comme tout le monde. Abrège. Où il est? Hey. Molo, viens voir. Tu vois cette tour?
pod Tyrann est retranché en bas. Tu dois descendre un conteneur dans le canyon. Je te le dis, ces blocs sont là-bas. Si tu vas, t'en sortiras pas. Ils vont venir me chercher. Il y a une base de données de surveillance sur l'entrée. Oh oui, c'est moi, je m'en bats les couilles de ce que tu dis. De m'en sortir. Rapport de situation. Contrôle, ici Talon 2-6. On a trouvé la patrouille perdue. Ils sont tous morts. Qui oserait faire ça? J'en sais rien. Mais ils devraient être nombreux. Restez sur vos gardes. Ok, enfin quand moi, enfin quand je parle pas, ça veut dire que je suis extrêmement concentré. Et là, oula, je le suis. Merde. Double kill. Ah non. Ah si. Ouais, il a fait un 3-6 backflip. En fait, ça fait des dégâts explosifs, hein, ça. Oh, c'est intéressant. Non, mais j'avoue que c'est pas mal, j'aime bien. Pac! Je les aide et ils crient à l'aide, à l'aide, à l'aide. Non mais ils sont fous, non, non mais ils sont complètement en con. Point de contrôle, voilà. J'en étais sûr qu'il y avait ça là. Pas des balles ici là. Ah, si. Ok, donc il y avait un détonateur. Bon allez, hop, je fais une petite pause et c'est parti, je vous reprends tout de suite. Voilà, re des gens et c'est parti. Tout d'abord, on va te faire descendre. Va à la tour de lancement. Arrête l'un des scarabs. Utilise-le pour aller dans le canyon. Wow, franchement, la fluidité, elle est magnifique. Très très joli. 13h, fuseau normal. Oh non. La femme a quitté son domicile à pied. 13h, fuseau normal. Ouais, c'est bon. L'équipe de filature l'a suivi jusqu'au district 34. Non mais attends, mais on peut pas le faire taire à lui. Elle a retrouvé un individu non identifié. La reconnaissance faciale tente toujours d'établir son identité. Le rendez-vous a duré environ 5 minutes. Un colis a été échangé. La femme s'est ensuite rendue au district 47. Nous l'avons perdue de vue. Un drone acoustique a enregistré une conversation entre la femme et un autre homme. Son identité a été confirmée. C'est Zeus. Une transcription de l'enregistrement est disponible sur le fichier de serveur du poste X-Ray 7 Gamma 5. La femme est restée sur place pendant environ 7 minutes. Par la force, Zeus a obtenu un plaisir physique, garantissant qu'elle se verrait confier d'autres missions. La femme est alors rentrée chez elle. Surveillance terminée à 21h, fuseau normal. Ah, d'accord, ok. Oh, l'ascenseur il est long quand même, hein, putain. Ah ouais, non mais sur le temps de jeu, franchement, ils l'ont fait vraiment très très long. Alléluia, c'est pas trop tôt. Zeus, ici 1-8, tu me reçois? J'écoute.
Zeus, réponds. Terminé. Allez, cours, Rico, cours. Est-ce que normalement il devrait avoir des munitions ici? Non, il n'y a pas de munitions. Ceci est mon dernier message, au cas où je ne reviendrai pas. Vecta va brûler. Les oppresseurs vont souffrir. Et je suis en paix. Car mes actes sont honorables. Tyrann nous l'a prouvé. Cette période est sombre. Mais la victoire créera une ère prospère et une existence que méritent tous les Helghast. J'espère que les enfants de mes enfants ne connaîtront pas l'oppression. Et que leur monde les acceptera pour ce qu'ils sont. Quoi qu'on dise, quels que soient les mensonges qu'on répandra, il est important que tu saches que j'ai agi pour toi et les enfants. Ah d'accord, donc tu voulais que je lui fasse peur, ok. Putain, mais y a pas de balles, sérieux, et j'ai deux chargeurs maximum. Je ne vous veux aucun mal, je viens vous aider. Ta gueule. Peuple de Condéler City, ici Tyrann, agent de Marshall est parmi vous. Je veux savoir. Par là, demi-tour. Allez, hop, là, par là. Là. C'est en bas. Attends, j'ai un truc. Cet homme se tient au bout. Sur la passerelle, et ne pas toucher les cibles, putain, c'est chaud. Oh, des balles, oui, des balles. Famille de la Black Hand, traquez ce Shadow Marshal. Vous autres, dégagez les passerelles et restez à l'écart. Allez, meurs. Les balles partent extrêmement vite. Hein. Ils ont que 24 balles, mais...
Y'a pas de balle. Écoute bien. C'est mon dernier message. Je ne rappellerai pas. Ça devient dangereux. Avant, on accueillait les nouveaux à bras ouverts. Mais maintenant, les mesures de sécurité sont renforcées. Tyrann n'assiste même plus à la plupart des réunions. Si tu veux nous rejoindre, dépêche-toi. J'ignore combien de temps encore ils m'écouteront. Ok. Contacte-moi quand tu recevras ce message. Mission faible. Ouah, c'est trop beau, sérieusement. Et la fluidité, elle est très très belle. Je me répète et je le dis encore, mais franchement, c'est... La qualité audio de leur truc, franchement, elle est totalement merdique. Je préfère mieux la qualité de mon micro, vous trouvez pas ? La nuque. C'est quoi ce genre de personne? Il y avait un nazi parmi nous, messieurs dames. Un nazi, oui, vous avez bien entendu. Salut la nanas, ananas, désolé à toi, je suis en vidéo. Je t'en répondrai plus tard. On s'en bat les steaks, frère. C'est mort? Découvre-moi, Truduc. Ah bah. Oh non. Meurs. Donc c'est où? Ah, c'est par là-bas. Ok, c'est parti, on y va. Hop. Oh, je suis bugué. Oh, c'est bon. Pas du tout, non. Non, c'est faux. Qui a dit ça? Tu es un outil. Tu n'es pas plus une personne que l'arme que tu tiens.
On peut pas ouvrir la porte là, donc on va ouvrir celle-là. Là, on va descendre. Et YOLO. Ok, on va faire une petite pause. Je vous reprends tout de suite, comme d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, hop, c'est reparti. Putain, ils sont chiants avec leur truc là. Et pourtant, il existe une différence claire entre nous. Je prends des décisions. Les portes elles sont pas fermées, ça sent. Ça sent le coup fourré là. Bah non, en fin de compte, non, c'était bon. Est-ce qu'on peut... Hors de portée, et cible non valide. Si... Ah, voilà. Toi, avec la minigun, tu vas te faire voir. Non, j'ai pas pris la bonne arme. Bizarre cela. Alors ouvrir la porte. Ah oui. Ils sont sérieux là. Tout ça juste pour un dossier. Quoi. Ah non, donc il fallait bien que j'aille en haut. Bah oui là. Vas-y, va pirater ça toi. Bizarre, ici 1-8, j'ai du nouveau. Je vous l'envoie tout de suite. De Tyrann? Négatif. Continue. Pulsar terminé. Oh, une et un, d'accord. Si vous aviez pu voir ça, leur souffrance. Silence! Vous étiez censé attendre. Ça fait 20 ans qu'on attend. On en a marre d'attendre. Quoi qu'il en soit, je leur offre un avant-goût. Il a mon couteau. Ce qui les attend ici sur Elgal est mon affaire.
Ne l'oubliez pas. Peut-être que je compterai jusqu'à 10 la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas. Votre utilité compense votre impétuosité. Le moment venu, vous allez convoyer l'arme. Je suis flatté. Quand sera-t-elle prête? Bientôt. Little Mouse est là et travaille dur. C'est ça, Vecton. Les talents de Massar ne sont pas gâchés. Mais elle travaille désormais à l'élimination d'une autre race. La tienne. Voyez, Tyrann, voilà ce qui arrive quand on fait tout sauter. Les gens viennent chercher des réponses. T'as pris mon couteau, sale fils de tuque! Je vais te le planter dans la gorge. Fais ce que tu es venu faire. Rends ton pays fier. D'accord. Non problème. Non mais... Encore... Ah, voilà! Il est mort, le con, il est mort, c'est bien. Mais cours, cours, putain de merde. Ça fait quoi si je tombe? D'accord, bon bah je suis mort. Bon. C'est génial, je suis tombé comme une merde. En fait, fallait juste abaisser comme ça, voilà, c'est tout. Ah, ils auraient pu faire une petite partie de slide ici au moins, tu vois. Histoire que ce soit un petit peu plus cool. Allez, tu peux le faire, vas-y! Non, je ne veux pas, non! On m'a abandonné. On a capturé ton contact. Inutile de résister. Ça sert à rien. Il nous a tout dit. D'accord. Donc c'est lui le chef des LK. Son pouvoir s'étiole. Elle est inférieure. J'espère que tu seras plus coopératif à mon retour.
Ouf. Eh ben dis donc. On s'est pris des vilains trucs dans la gueule là. Oh là là. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ah, ah ben alors voilà elle. Je ne te ferai pas de mal. L'attaque sur Vecta n'a rien à voir avec nous. Je ne tiens pas à commencer une nouvelle guerre. Maintenant dis-moi, avec qui Tyrann travaille? Détache-moi. Tu n'es pas en mesure de marchander. Qui est-ce? Stahl. Yoran Stahl. Il est sur Elgan. Vous lui avez donné Massar. Elle fabrique une arme pour lui. Les Vectans. Les hybrides. Tout le monde va mourir. Y compris toi. Tu as reçu des ordres. Je m'attendais à ce que tu les exécutes. Comment tu as pu? Ce que Massar a fait sur ce vaisseau est abominable. Elle mérite d'être sanctionnée. Je la tuerai moi-même s'il le faut. Oh, je t'en prie, épargne-moi ces simagrées. Tu parles de choses que tu es bien incapable de comprendre. Qu'est-ce que Stahl t'a promis? Le pouvoir? Il nous a promis un foyer. Et la survie de notre peuple. Nous aurons au moins la possibilité de négocier en position de force. Ce que nous avons toujours voulu et mérité. Pas de cette façon. As-tu oublié la nature du sang qui coule dans mes veines? Comment oses-tu me contredire? Quelle que soit la faction visée, je mourrai. Tais-toi immédiatement. Mère, s'il te plaît, je... Ne m'appelle jamais comme ça. Tu n'as pas le droit d'exiger quoi que ce soit. Garde. Je vais te faire expédier. Là où tu seras en sécurité. Attends! Non! Mère! Je t'en prie, ne fais pas ça! C'est étrange de se dire que nous étions la même race et que maintenant... vous êtes nos ennemis. I shouldn't feel anything. But I do. Gardez-le en vie. Ah là, c'est bon, plus de coups de taser. Non mais, oh là là. Non mais ils sont chiants, ma parole. Oh, il te fait griller la cervelle, lui. Mais... bon, bah voilà, les gens, c'est déjà la fin de l'épisode 5. En espérant que bah, qu'il vous aura plu. Je pense tourner le 6 cet après-midi ou peut-être demain, je ne sais pas du tout, selon... selon mon temps libre, voilà. Donc, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous et portez-vous bien. Salut, salut.